La circonscription scolaire de Libreville-Nord a désormais un nouvel inspecteur à sa tête. Monsieur Sosten Bissadi Banyama, c'est lui. Dès son arrivée à l'école publique des Charbonnages, il a été reçu par son premier responsable, Monsieur Jean-Maurice Nzaondor. Après un accueil digne de sa personnalité, Monsieur l'inspecteur a visité tour à tour les différentes salles de classe du primaire et du préprimaire. Au sortir de cette visite des classes hautement coordonnées, Sosten Bissadi s'est félicité de la présence des chargés de cours dans leurs classes respectives, malgré la crise qui secoue le monde de l'éducation dans notre pays. Aussitôt installé dans la salle prévue à cet effet, Monsieur le directeur d'école a fait lecture de l'état des lieux tout en évoquant les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et les élèves notamment, avec la présence d'une décharge publique à quelques encablures de l'établissement. Après la présentation des encadreurs pédagogiques, du personnel administratif et des enseignants, le tour est revenu au nouveau promu de prendre la parole. Dans son propos préliminaire, Monsieur l'inspecteur a tenu à souhaiter une bonne et heureuse année à chacun. La rigueur et le travail de l'homme ne sont plus à présenter. En effet, après avoir passé plusieurs années dans la circonscription scolaire de l'Estuaire et à l'inspection générale des services au ministère de l'Éducation nationale, il revient sur le terrain pour mettre en exécution la politique du distingué camarade. Plusieurs grands défis attendent Monsieur l'inspecteur, notamment l'égalité des chances à tous les enseignants de prendre part aux examens de fin d'année, les résultats scolaires des apprenants en fin d'année scolaire et surtout le redéploiement des enseignants au complexe scolaire Kiliba qui ouvrira ses portes dès septembre 2022.